c'est notre nouveau directeur général qui a souhaité avoir de la mobilité. Il a tout à fait raison par rapport à l'usage de la messagerie. Et quand il est arrivé, nous détenions Zimbra, qui était derrière en fait un protocole très complexe et sécurisé pour accéder à sa messagerie de l'extérieur. Il était pro Outlook, donc on est reparti en fait sur cette étude-là et il a décidé qu'on commence tout simplement par les VIP et les assistantes. S'il n'y avait pas de déboire pour faire le pilote sur ce périmètre-là, il n'y aurait pas de déboire pour l'ensemble de l'établissement. J'ai posé cette question en fait pour tout simplement vendre la deuxième version de la messagerie et les 4 sup équipes de direction a dit qu'ils ne pourraient pas s'en passer donc aujourd'hui par rapport au précédent système de messagerie qui était en place. Donc ça répond entièrement à la question. Nous, on voulait des outils en fait, qui répondent à notre besoin en termes de mobilité, de disponibilité, d'intégrité des données. Dans le contexte actuel, on voit qu'il y a des cyberattaques quotidiennes. Microsoft en fait, nous a intéressés de façon importante par les data centers qu'il a construits en France et la certification HDS. C'est pour ça qu'on a fait appel aux technologies Microsoft et on s'appuiera sur ce partenaire à l'avenir de plus en plus parce qu'on est confiant en tout ce qu'il peut apporter en termes de disponibilité, intégrité et de traçabilité. Si on parle de toutes les solutions Microsoft, déjà toute la bureautique de l'établissement de santé est équipée des pack office. La messagerie est l'outil principal entre les établissements de santé. En termes d'aspect collaboratif, les outils comme Teams, Yammer pour communiquer, les applications Microsoft offrent un panel complet en fonction de l'activité et répondent parfaitement aux besoins d'un établissement de santé et surtout de notre GHT. Alors, Projet Lys, on a travaillé déjà sur 2-3 projets, puis on a un gros encore qui arrive. Nous, ce qu'on aime bien avec Projet Lys, c'est carré d'un point de vue gestion, les chefs de projet aussi, une certaine rigueur. On a quand même notre autonomie, notre mot à dire, l'écoute qui est importante, parce que c'est quand même nous qui décidons, qui sommes maîtres de notre projet dans nos établissements. Tout ça fait que ça se passe très bien, on apprécie travailler avec Projet Lys, et on continuera longtemps sur d'autres projets, je le pense.